Et rebonjour tout le monde. Enfin, rebonjour. Bah non, c'est vrai que c'est pas le même jour pour vous. Donc, et bonjour tout le monde. C'est la troisième vidéo sur Diablo 3 Reaper of Souls. On va la continuer. Oh là. Tout simplement, c'est une vidéo de gameplay. On commente, on rigole, on joue. Enfin, on commente pas vraiment, mais. Voilà, c'est plus par plaisir de voir un peu le déroulement de jeu. On n'est pas forcément. Comme on est concentré sur le jeu, c'est vrai que nos commentaires ne sont pas les plus intéressants. Mais au moins, ça vous permet de voir un peu comment se déroule le jeu. Moi, je joue un féticheur et ma chérie joue un moine. Voilà. Ah, bah, je vous laisse profiter si vous le souhaitez. Bon, ok, y'avait que ça là-dedans. Ah, écoute, du coup, on est bientôt 66? Ah ouais, toi, tu vas passer 66 avant moi. Oh là. De quoi, mon car? Tu vas me laisser tranquille? Alors, 2 petites secondes comme j'ai looté des trucs. Oh, y a des choux chelous. Quoi, on monte ou on descend? Merde. Ah! Si je vais faire popper un pack. Allez, go. Merde! Bah, j'ai ramassé un objet sans faire exprès à côté. Oh merde. Oh, sa mère. Pas encore prêt. Ah merde! Ils sont presque morts. Bah, je vais m'en occuper. Ah non, si, ils sont en train de revenir sur toi. Ah merde, déjà mort. Aïe aïe aïe. Il me faut plus de mana. Ce n'est pas encore. Ah. Putain. Ah bah il est pas très sympa en loot, hein.
C'est-à-dire quoi? Oui, en général, oui, s'il y a des petits rats, ça veut dire qu'il y a des invocs, etc. Ah, on n'est pas obligé de la faire, alors, mon cœur. C'est plutôt violent l'esprit qui hante, mais du coup je sais pas si je peux en faire plusieurs. Faudrait que je teste un peu plus. Faudrait que je puisse arriver à tester un truc encore. Mais le problème, faudrait pas que tu tapes en fait. Ah non, j'arrive pas à voir. Vas-y, vas-y, tape. Oh là. En fait, j'arrive pas à savoir si je peux mettre plusieurs hantises. A priori, je peux mettre plusieurs hantises. Mais Sauterelle, une fois qu'il est appliqué, doit s'appliquer qu'une fois. Donc, à la limite, envoyer plusieurs hantises. Et une seule Sauterelle. Ouais, mais faut qu'on tue la dernière demoiselle de flamme. Ah bon. Non. Ouais, j'aime bien en fait là, c'est plutôt violent, mais j'ai un petit souci, c'est que je sais pas vraiment l'efficacité de certaines choses que je fais. Bon, tu crois qu'elle est au-dessus? Bon, on va quand même monter s'il faut aller juste au-dessus, la demoiselle de flamme, quand même. Non. Bon, il faut qu'on retourne la chercher. Parce qu'au moins, on va faire cette quête bonus. Ouais, juste en face, je suis sûr. Ouais. Ouais. Je le sens bien, bien, bien. Oh,
Ah, je suis mort. Oh putain l'enculé. Ah putain, je suis pas arrivé à attraper le globe. C'est chaud la nice. Je crois qu'il y a encore un gros. Putain, je suis déjà full. Ah ouais, je suis déjà full. Non, là, au-dessus, celui qui était sur moi. Non, d'accord. Ah oui, c'est bon. On va vendre mon cœur. GG. Moi je vais pas esquiver. C'est ça. De quoi? Je suis surchargé. Je dois rentrer. Putain, mais t'as plus de thunes, mon cœur. Ah. Oui, c'est pas faux. C'est peut-être bizarre pour vous, hein. Vous m'entendez parler tout seul. Mais non, non, je ne suis pas fou. Ma chérie est bien là. Je vais le faire tout de suite. En noir. Ça donne quoi? Ah, oh, c'est mieux. Regarde mon cœur. Avec son coq éventré, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe nawak. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il y a une petite salle de Clifton, la salle de Clifton.
lignée de Rakis va remonter sur le trône d'Ouestmarsh. Vous allez donc être couronné? Ma grand-mère était la fille de Corellan, mais il ne l'a jamais reconnue car sa mère était une courtisane, et non une reine. Avec le soutien des paysans, je ferai de l'Ouestmarsh un havre de liberté et d'égalité. La noblesse oisive et nantie appartiendra au passé. Bien sûr, du sang sera versé. Il faudra en exécuter quelques-uns pour l'exemple, consolider notre pouvoir. Un prix dérisoire pour la liberté. L'Ouestmarsh ne survivra pas à un nouveau bain de sang. Je ne vous laisserai pas faire. Toute ma vie, je me suis préparé à ce que je veux. Ouais, bah t'aurais dû t'y préparer un peu plus longtemps. J'ai besoin de soins. Parce que il a des mages qui le... Vite, un globe. Putain, ils ont été réinvoqués. Je vais crever vite le globe là-haut, mon cœur. Un globe de vie. Faut focus mon cœur les mages. Et vite là maintenant faut lui en mettre plein la gueule. Putain, c'est déjà repop. Tu vas t'occuper du deuxième là-haut? Putain, je suis encore mort. Allez vite avant que ça repop. Allez, allez. Putain, va ça. Allez, on dépouille l'autre coup pour prendre soin de lui. Je suis venu à réaliser que mes états d'âme personnels n'ont pas d'importance. Mon peuple se meurt et il a besoin de son roi. Ce jour sera le premier de notre existence, et dire que c'est le seigneur Winton qui m'en a fourni le moyen. Ces faucheurs n'auront pas l'Ouestmarsh. J'en fais le serment sur ma vie. Hein? Ouais, en bas, je sais pas. Non, non, c'est un autre. D'ailleurs, t'es morte. Si t'as eu ton truc qui t'arrive, tu vas garder en vie. Oh oh oh, t'as bien joué. T'as eu le bon réflexe, mon cœur, GG. Ouais, GG. Oui, mon cœur.
Je n'ai pas encore prêt. Bon bah voilà, on a fait la quête supplémentaire. Go. Ouais, ma petite dame. Tu veux goûter mon bon poulet? Poulet français. Mais tu vois ce que je veux dire sur ton casque là, deux machins, on dirait les. Urzael. Urzuzael. Ah, B. B aussi, non? B, B. Ah, t'es dégueulasse. B aussi. Aïe. Oh là. Pourquoi il a un canon dans les mains, lui? Dire que c'est un ancien ange. Ouais. Fais gaffe, décale-toi mon cœur. Je crois que quand il décolle comme ça, il fait des dégâts. Non? Ouais, mais je pense qu'il va s'énerver au bout d'un moment. Ah tu vois, voilà. Oui. Vite, vite. Oh là. Bon, ça va pour l'instant, ça reste correct quand même, pas trop. Oh putain. C'est tendu du cul. Ah,
bloqué. Là j'étais bloqué. Si. Fais gaffe, encore quand même. Il faut attendre. Allez. Eh ben GG. Oh, il s'est coupé en deux ou quoi? Alors on a eu quoi? Souffre-douleur. Tuer Israël dans une partie coop, ok. Ces bottes sont faites pour marcher. Tuer Israël, d'accord, en solo. Mais là, est-ce que c'est tué en coop en fait? Néphalem, je vais mettre un terme au conflit. Et dans la mort, nous connaîtrons la paix. Un discours de méchance. Pleutre. Super accent. Pleutre. Je dois rentrer. Et sur ce, une petite page de publicité. Et donc, après cette légère coupure de pub. Oui, je sais, je raconte n'importe quoi. Et alors par contre, je comprends pas un truc. Ah oui, faut que je continue à monter. Ouais, bon, Osef. On en gagne pas beaucoup des essences. Ouais, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Les trucs jaunes, là, moi j'en ai pas assez pour pouvoir monter. Vous n'irez nulle part sans moi. Pourquoi? Quelqu'un doit veiller à ce que vous ne tuiez pas Adria avant de savoir où se trouve Maltael. Viens avec moi si tu le souhaites. Mais Adria payera pour sa trahison. Oh, une cinématique? Une cinématique? Ouais! Youpi! Cool! Les faucheurs sont morts. Westmarch est sauvé. Et les gens peuvent enfin reconstruire leur ville. Lorat et moi, nous partons maintenant trouver Adria dans le marais du sang. Elle sait comment arriver à Maltael. Et une fois qu'elle me l'aura dit, je la tuerai. Je la tuerai. Je la ferai passer de vie à trépas. Moi c'est... Je la tuerai. Nous avons caché la pierre là. Je pense qu'elle serait à l'abri. Voilà. Poison. Ça là, c'est empoisonné. Oh, journal de l'aventurier dans les pierres. Ouais. Ah, attends, viens, on va faire le petit passage là en bas. Voilà, on ne sait jamais. Il aurait pu avoir un truc d'important.
fouille un peu ou on continue à avancer? On avance. C'est bien l'entrée du tombeau, mais quelqu'un l'a fait s'écrouler. Adria. Il semble que nous allons devoir trouver un autre accès aux ruines. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah c'était le terme, hein. C'était. Que nous voulons avant de... N'oubliez pas, faut récupérer les renseignements avant de tuer. C'est d'abord on pose les questions, après on tue. Rien quand on approche. Vous permettez? La cité Néphalem possède 4 entrées, chacune gravée d'un sceau. La première fois que j'ai vu une sorcière, elle brûlait. Père m'avait conduite sur la place. Ouais. Voilà le visage du mal. Mais elle ressemblait à n'importe quelle autre femme qui brûlait. Quand les flammes l'ont grandi, je dois trouver une autre pierre guide pour découvrir le bon son. Merde, 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 merde. Merde. Il lâche plus rien. Ouais, je l'ai cliqué déjà. Attends 2 secondes. Ah, ça y est, j'ai plus. Je me bats avec une masse à deux mains. Hey, je fais quand même des 1300, hein. Des 1 300 000. Hein. Oula. Merde, je suis empoisonné.
T'as fait péter. Oh. Grotte tortureuse. Non, quoi? Oui, mais c'est ça que je voulais dire, tortureuse. Même si ça se dit pas, c'est pas grave. Ah, je crois que tout à l'heure, quand j'ai monté de niveau, j'ai même pas regardé mes compétences. Attends deux secondes. Ouais, ils ont mis un truc en fait pour jouer avec les chiens zombies en plus. Merde. Bah en fait ils ont mis un truc où on peut avoir un chien supplémentaire et augmente les dégâts des 50% des pets. Donc quoi? Non, je me suis tué. Hein? Tu te bats différemment? Ouais, je te laisse me raise, je suis la feignasse. Merde! Merci mon amour. Oh mais... Non.
Vas-y, casse pas tout, toi. Merde, tu mords. Quoi? Ça, mais c'était les veines du coffre là qu'on est en train de faire. Oui, mais parce que c'était cette even qui était comme ça. Elle a mis la soif, le chat, mon cœur. Oui, mais parce que je me suis retourné quand il a touché sa gamelle. Ouais, mais des fois il touche pour rien. Là. Ok, je viens d'avoir une main qui est plus puissante, une main qui est plus puissante que ma deux mains toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, ok. En réel, ça me dérangerait pas, mais. Deux secondes, mon cœur, faut donner à boire au chat. Petite pause publicitaire, le temps de donner au chat, à manger au chat. À boire au chat. Bon, j'espère que cette petite pause publicitaire vous a plu. Bon, en fait, il y aura peut-être même rien, on sait pas. Hein. Ça dépend de notre motivation. Et nous allons continuer un petit peu. J'ai même pas vérifié combien de temps on en est, en fait. Enfin, bref, on continue. Rien à foutre. Rien à carrer. J'avais prévu avec. Bah non, j'avais prévenu de rien, c'est justement ça qui est bon. Ah oui, 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 juste comme ça, et puis j'espère juste que ça vous plaise, et si ça vous plaît pas, bah. De toute façon, si ça vous plaît pas, je pense que ça fait bien longtemps que vous avez quitté cette vidéo. Donc ça doit faire une heure. Donc je m'adresse à moi-même. Non, je suis un peu schizophrène sur les bords. C'est pas un paradoxe d'être schizophrène. C'est juste d'être schizophrène. Ouais. Oh, c'est pas la pire. Moi, tu te sens moins seul quand t'es schizophrène.
Si vous êtes d'accord avec moi, tapez 1. Alors, je sais pas si vous avez entendu ma chérie, mais si vous pensez que cette conversation n'a rien à foutre là, tapez. Pourquoi 2? On pourrait pas dire 5 par exemple? 8? Tu préfères 8. Donc, tapez 8 si vous trouvez que cette discussion n'a rien à foutre. Et bien sûr, ce numéro est surtaxé. Faut bien vivre. Oh, c'est tout. Ça va, si je fais que te désespérer. On sait rien. Bordel à cul et pompe à merde. Ma chérie est très poétique ce soir. Si, si. Oui, mais dans la bouche d'une fille, c'est différent. Allez, le chat. Mammouth. Un peu de patience. Ouais, bientôt 67, hein. Bwep. T'as encore mal à la tête, mon petit cœur? Oui. C'est dommage. Je vais pas entendre ma chérie. Je pensais à des conneries. Alors, si vous voulez entendre plus souvent ma chérie, je la partage avec vous avez vu comme je suis gentil. Si vous voulez entendre plus souvent ma chérie, il faut cliquer sur les pages de pub. Comme ça, ça nous fait gagner de l'argent et on pourra lui acheter des médicaments contre les migraines. Et... je crois que ça peut marcher. Non, c'est juste pour gagner plus d'argent. Faut pas le dire. J'adore parce qu'en fait, il y a personne qui va venir regarder la vidéo jusqu'à là. D'ailleurs, c'est peut-être la fin, c'est peut-être la fin. Ouais, je vais peut-être faire finir la vidéo là, non? Ça fait quand même, elle a été longue, je pense, non? Bah, tu te rappelles, c'est avant qu'on tue le boss, je crois, avant qu'on tue le premier boss, parce que c'était... c'était pas la troisième reine des flammes. Bah si j'ai envie de discuter. Bah ouais, c'était où je suis. Regarde. Non mais oh. Moins de graines. Je vous prie. Je me prie tout seul d'abord. C'est qui la patronne? Ouais bah alors c'est qui le patron si on part sur ce principe. Je te rappelle c'est moi qui porte les caleçons. Et tu gardes, tu portes les strings et les boxers. Non mais oh. Ouais, pourquoi tu préfères que je parle de ta culotte petit bateau? Ah bon, on est ressorti autre part? Mais non, en fait, on vient d'autre part. Bah, attends. Ah d'accord, en fait, on est rentré, on est ressorti par un autre passage. Du coup c'est con parce que près de l'autre passage, il y avait l'autre en fait. Ça ne veut rien dire. Oh, d'accord, elle est dans une grotte. Mais attends, t'es sûr? Je sais même pas où on va. Bon, écoutez. Non, il y a un événement, j'arrête pas. On a foutu, on va dire. Et il y a écrit en gros nouvel événement, le dernier des anciens, trouver d'où viennent les serviteurs réanimés. Donc tu te calmes. Non. Enfin oui, ça va aller. Oh merde, je suis mort! Je suis crevé! Ouais, bah vous savez quoi? Osef, voilà. Moi je vous dis à la prochaine.
Et je vais piquer, je vais faire du plagiat. Je vous aime, putain! Pour ceux qui connaissent pas, bah tant pis. Parce que c'est bien marrant. Ouais, non mais voilà. Allez, ciao tout le monde. Je me casse.